Bienvenue dans ma cuisine en ce jour. Alors aujourd'hui, je vais comme ceci faire une salade très rapidement. Mais aussi également, j'aimerais qu'on parle du sujet de Balthazar, de la Guinée équatoriale. Alors j'aimerais juste comme ça donner mon humble avis. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que, après avoir regardé certaines vidéos, j'ai regardé certaines vidéos, je suis vraiment sidérée de ce que j'ai vu. Et il faut aussi préciser que on ne peut pas juger les gens, mais vraiment c'est décevant. Parce que maintenant, cela remet en cause, cela mettrait en cause, n'est-ce pas, la vie de tous les hommes, en fait. Tu te dis, tu es marié et peut-être tu as laissé ton épouse, elle allait au boulot, elle allait au travail et elle est quelque part en train de s'amuser. Vraiment, c'est une triste réalité. Et pour ma part, j'aimerais juste ajouter également, qui sommes-nous pour juger Balthazar? Je pense que nous devons plus regarder nos vies. Oui, nous devons plus regarder nos vies. En quoi nous sommes différents de Balthazar? Parce que c'est des choses qui arrivent tous les jours et les gens font ces choses tous les jours. Mais juste que pour Balthazar est arrivé et voilà, c'est exposé sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le remarquer, tout le monde en parle, chacun donne son point de vue et voilà, ça va dans tous les sens. Et les femmes mariées n'ont plus de crédibilité. C'est vraiment décevant, c'est vraiment pitoyable également. Mais une question reste à se poser. Nous entrons bientôt dans la nouvelle année 2025. Alors, concentrons-nous sur nos vies personnelles, oui. Ça, c'est très important. Concentrons-nous sur nos vies personnelles. La distraction, elle est partout. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos époux. Parce que ce qui s'est passé avec Balthazar est vraiment... il ne se protège pas. Ça veut dire que la femme de la maison également, elle est exposée à beaucoup de maladies. Alors, concentrons-nous sur le plus essentiel. Et arrêtons de banaliser le mariage. Nous pensons que quand nous avons déjà épousé une femme ou un homme, tout est acquis. Quand vous avez également des enfants, prenez le temps de sortir avec votre partenaire, mettez votre partenaire à l'aise et cela permettra également de limiter tous ces petits problèmes. Et voilà, c'est mon très humble avis. Je pense que ce qui s'est passé doit nous servir de leçon. Et je vous dis comme ça, merci d'avoir regardé la vidéo et j'ai fait également aujourd'hui une salade que je vais partager avec ma famille. Alors c'est une recette très simple, j'en ai également plusieurs recettes de salade ou des mets, comment dirais-je, ou des mets pour perdre du poids, pour suivre votre ligne dans ma page YouTube. Et Sandra Food and Recipe. Alors, je vous invite comme ça à continuer à liker mes vidéos, partager et surtout, continuer à vous abonner. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!